Sainte Barbe est la patronne des pompiers et plus largement des corporations liées au feu. Cette sainte, martyre du IIIe siècle, est célébrée le 4 décembre. Elle a été torturée, brûlée et décapitée par son père. Moins tragique, une messe a été célébrée en son honneur et celui des sapeurs-pompiers de Monaco à l'église Saint-Nicolas par Mgr Barcy. C'est surtout un moment de recueillement et un moment de partage. L'occasion aussi de se reposer sur nous-mêmes et faire un bilan, c'est ce que j'ai effectivement fait, en présence des hautes autorités, de l'État, du souverain. Cette année, il a été représenté par le colonel Fringant, notre commandant supérieur. Un moment de partage. À l'issue de cette messe, les sapeurs-pompiers et les nombreuses personnalités présentes se sont retrouvées pour un verre de l'amitié dans le centre de secours de Fontvieille. Elle l'occasion pour le lieutenant-colonel Tony Varro de dresser un bilan de l'année écoulée. Cette année 2013 restera une année qui va avoisiner à peu près le même niveau d'intervention que 2012. Avec une petite particularité quand même malgré tout, on a un transfert d'activité au niveau du secours à personne et de l'aide à personne. Donc ça veut dire quasiment une ambulance, on l'a vu pour cet été, une ambulance de plus par jour, ce qui est énorme. On va avoisiner, voire dépasser les 8500 interventions, à peu près une intervention toutes les heures, ça c'est la moyenne, c'est souvent dépassé. Et surtout, à signaler plus de 12 000 appels à laquelle on a répondu au numéro d'urgence. Je rappelle, qui est le 18 ou le 112. Toujours en ce qui concerne le bilan 2013, 4 jeunes recrues ont remplacé 4 sapeurs-pompiers partis à la retraite. L'effectif est toujours d'environ 150 sapeurs-pompiers. Et enfin, à l'issue de cette cérémonie, le chef de corps a remis traditionnellement des décorations honorifiques pour rendre hommage à des personnes qui aident les sapeurs-pompiers au quotidien. Le ministre d'État et le lieutenant-colonel Philippe Robodingo ont reçu le grade de caporal et René-Georges Panizzi a été fait première classe des sapeurs-pompiers de Monaco.